Bonsoir, bonsoir. Suite du mode, mon ascension dans WWE 2K 2022. Alors, après avoir découvert la division masculine et ses différents scénarios, on va voir un petit peu ce qu'ils ont créé côté division féminine. Forcément, on va avoir des storylines différentes avec une panoplie de lutteuses complètement différentes, en espérant aussi qu'on ait droit à des légendes qui vont revenir ponctuer notre aventure. Allez, c'est parti. Encore une fois, ça va être Shawn Michaels qui va nous accueillir. Quelques avant-goûts des personnes qui vont s'occuper de nous. Ah, le coup du sablier, on ne l'a pas eu chez ces messieurs. Ah, très certainement également. Les trois shows, hein, Raw, SmackDown, NXT. Ça va être Beth Phoenix qui va nous accueillir, ça c'est bien ça. Au début, je me suis dit que ça allait être aussi Shawn Michaels. J'aurais trouvé ça un petit peu dommage quand même. Alors, je me souviens dans la division masculine, on nous avait demandé de choisir l'une de nos quatre catégories. On va voir ce que chez les dames. Nous Wow, propose. this is really nice. Yep, and it's the last stop on our tour. Here you'll be evaluated by the trainers, the bosses, and your fellow wrestlers. When you're in the gym, all eyes are on you. Oh, sorry. Isn't there anyone on the European side we can discuss this with? Ugh, not discuss. Discuss. So, what do you think? I can't believe I'm actually here. I meant about the tour. Too rushed? I don't mind. I'm anxious to get started. We feel the same way. Sure seems like it. Oh, sorry, one of those days, you know? Listen, I've been the head recruiter here for a few years now, and I can't remember another trainee I've been this excited about. I'm finishing up a tour right now. Frankly, not one of my best. I'll be back in my office in 5. Any questions? Just one or two, maybe. Like, I was wondering. Great. I've got to run and deal with this. And you've got the last bit of forms to fill out, waivers and whatnot. I gave you your training gear, right? No, I didn't. Get started on the forms. I'll be back in a few. When WWE is trying to put smiles on people's faces all over the world, it truly is all hands on deck. I'm walking back to my office now. Walking back to. Walking back to. Alors, choisir votre parcours. MMA. Vous ne manquez pas de courage dans une cage, votre ténacité est admirable, mais tous les adversaires que vous avez pu affronter ne sont rien à côté du défi qui vous attend. Comme d'autres l'ont fait avant vous, votre passage du MMA à la WWE se fera sans accroc ou abandonnerez-vous sous la pression. Alors, le blabla, je pense que c'est exactement le même. Athlète pro. On va s'intéresser plutôt aux trois. On ne va pas reprendre le MMA. Ça c'est sûr. Voyons voir un peu ce qu'on nous propose. Athlète pro, après avoir été hissé au plus haut niveau du football universitaire et professionnel, alors chez Demoiselles, ils auraient pu faire un autre sport que le football, parce que par exemple, une Charlotte Flair a fait du volley. Et le football américain féminin est quand même un peu moins célèbre. Qu'est-ce qu'on nous propose? Un dé, ça peut être sympa. Avec la légende du WWE Hall of Fame Booker T comme entraîneur, vous avez affûté vos compétences sur le circuit indé avant de taper dans l'œil des recruteurs de la WWE. Vous n'avez plus rien à prouver sur le ring indépendant, mais parviendrez-vous à franchir le pas et devenir une superstar? Ouais. Et là, oh, dernière catégorie, alors. Maryse. Actrice, film, série. Influenceuse, non aussi. Divertir les gens, c'est votre métier, mais vous n'avez pas encore réussi à percer et embrasser votre destinée de star. La rage au ventre, serez-vous changer la donne et tout faire pour éblouir l'univers de la WWE. Moi, je pense que je vais prendre un dé, ça me va bien.
Alors, superstar personnalisé. Technicien. Alors, j'avais pris Connor, non? Alors, j'hésite par rapport au circuit indé. Alors, il y avait le coup de la catégorie aussi. Je m'étais un peu fait avoir. On va voir un peu le gabarit qu'il nous faut. Super heavyweight. Être costaud. Je pense que lightweight peut être bien. Ils vont peut-être me la rétrécir un peu. Voilà. Technicien ou aérien. On sait bien, ils en profitent pour nous faire un. Je pense que je vais prendre technicien. Enfin, technicienne. Alors, voulez-vous vraiment sélectionner cette catégorie de départ? Une fois que c'est choisi, c'est fini. On ne peut plus le modifier. Yes. Alors après, c'est tout ce qui est personnalisation. Il y a des trucs un peu. Bon, on pourra toujours le modifier de toute façon par la suite. Est-ce qu'on se prend un truc tout fait pour pas trop se prendre la tête? Cosplay. On peut choisir. Ça fait un peu Wonder Woman. Mais j'aimais bien par contre la tenue par défaut qu'elle avait. Mais Wonder Woman, c'est pas mal. Peut-être accepter. On va l'appeler Fred, ça va peut-être pas le faire. On va l'appeler Cindy. En hommage à Scary Movie 2. Voilà, on peut s'embêter. Ouais, elle va venir de New York. Une présentation. Alors, j'ai pas regardé hein, s'il y avait Cindy dans les trucs. J'aime bien parce qu'il y en a une tripotée, mais il n'y a pas Fred. Hein. Toujours pas. Ah, bah Cindy, allez, hop, tac. Sont faits, on va se lancer. I thought England was always cloudy and raining. Isn't that like its whole thing? Hold on. All set? All set. Great. Nervous? Don't be. You've got a great look. I think you're going to enjoy your time here. Je suis prête à bosser, je ne compte pas rester ici longtemps. Thanks. I'm just ready to work to make this dream happen. That's the right attitude. Dedication, focus. Hey, yep, got all that. Go ahead and get changed. The other trainees should be here soon. Everyone meets in the main ring area. Will do. You're going to get a survey on how your first day orientation went. For my job security, it would be great if you could. All fives. It's out of 10. All tens. Maybe 1-9, just so it doesn't look fishy. Stupid question, but how fast is the fastest boat? That's not that fast. Surtout dans les WC. Alors déjà, il y a une fan de Stone Cold. Et une qui risque d'être peut-être pas très aimable. On va commencer par la.
celle qui a l'air la plus gentille. Point d'amélioration. Est-ce que je commencerai pas par mes points d'amélioration de ventilation très original, hein. Ça sera fait. Les réseaux sociaux, non, peut-être un peu. Je me suis couché tard hier pour étudier des vidéos. Triple H, j'ai eu de super retours sur le nouveau talent qui vient de débarquer au Performance Center. Je suis prêt pour un autre titre. Organise le match. Supprime ton compte, tout le monde. Cet appui, ouais. En plus de catch féminin à la télé, salut internet, quelqu'un sait si des cartes privées peuvent utiliser la voix des bus, putain, ok. Un message privé, on a quoi? Félicitations pour ton contrat à la WWE. Je vais t'envoyer l'adresse du Performance Center. Assez classique. Alors, la fan de Stone Cold. Hey, I'm Mei Li, but everybody calls me Fanny. Nice to... because my last name is Fan and I'm a WWE super fan. And hopefully someday when I make it to WWE, there'll be fandemonium. Elle a l'air un peu excitée là. Est-ce que tout va bien? You don't have a lot of friends, do you? Not many. I am so excited you're here. Really? Wow. I didn't know anyone would know who I was, much less that I'd have a fan. Well, I'm mostly just happy you're here because I'm tired of being the new girl. I have seen your stuff on the indies, but I'm more into BCW. You ever heard of Buzz? Yeah, I've even seen him wrestle once or twice. Once or twice? I've seen him wrestle 2009 times. Most of them in person. Wow, that's a lot. He actually put in a good word with management to get me in here. And this has been the best 2 weeks of my life. Well, maybe not quite as good as the 2 weeks I camped out for WrestleMania tickets in New Jersey. It was colder, but there were a lot fewer surprise super kicks. You know WrestleMania, right? Ça t'arrive de la fermer. Bon, on va peut-être pas commencer par être méchant. Alors, ce qui est bien, on l'a vu, hein, on peut être méchant, pas gentil comme on veut, donc ça n'a pas vraiment énormément d'importance. Yeah, I don't live under a rock. It's only the biggest, greatest, grandest event in the entire universe. It's the crown jewel of sports entertainment. I've been 6 times as a fan, obviously, but maybe, I mean, could you imagine fandemonium in the ring at WrestleMania? Peut-être pas rêver. Anything can happen in WWE, c'est right? Vrai. So who knows? Maybe I'll be right there with you. Awesome. Ok, on a fait sa connaissance. La deuxième, Josie. Josie Jane. Pas le dire trop vite, sinon on se zappe. I heard we had another indie wrestler showing up. I guess we have that in common. Let's get this straight. I'm from the indies, but I'm not like you. I trained in Calgary. Ah. Am I supposed to be impressed? It's the epicenter of wrestling. I competed with the best independent wrestlers in North America, and I've got the scars to prove it. Ça a l'air dur. Personne va me laisser de cicatrices. No one's ever gonna hit me hard enough to leave a scar. I'm going to enjoy watching you fail, small time. Training at the PC isn't like anything you've done before. I've been here a month, and my body's more banged up than a two-seater in its fourth demolition derby of the night. You have no idea what you've gotten yourself into. You should know as well as anyone that it doesn't matter where you come from. It's what you do when you get here. I plan on proving I deserve to stay. I've worked too hard for too long to get here to let some tenderfoot steal my spot. Je vole rien, ta place, tu peux déjà lui dire adieu. I don't steal things. I earn them. Well, you've already earned a beatdown from me. So good luck. C'est la casseuse de couilles, elle. Alors, hot dog.
Sup, new girl. Welcome to the PC. Thanks. I'm happy to be here. Even though I'm mainly training the men right now, I'm always around if you need any advice. Good to know. One thing I can share with you right now is that in this business, you either have it or you don't. My daddy taught me something a long time ago. You could polish a dog turd all day. At the end of the day, it's still doo-doo. I'm not sure I totally understand. Me neither. Why would anyone even want to polish dog poo? It's disgusting. Anyway, trust your gut, pick your spots, and make sure you don't end up in the D-O-double-G house. Good luck. Alors, Booker, qui est celui avec qui on s'est entraîné du temps de notre du circuit indépendant. Alors, comment tu trouves le PC? Génial. M'impressionne pas, mais c'est bien, on est content. Je comprends, mais souviens-toi que tu as mérité ta place. T'es l'une des meilleures catcheuses que j'ai jamais entraînées. Merci. Je sais. Peu d'humilité, bordel. Alors, contente-toi d'y aller pour bosser dur et écoute les entraîneurs, montre-leur ce que t'as dans le monde. Je suis là pour bosser, je suis là pour devenir une star. On commence d'abord par travailler et après on sera une star. Peut-être. Pas de soucis, je suis fier de toi. Shawn Michaels et Beth Phoenix. First off, I'd like to officially welcome our newest recruit to the start of her WWE journey. If you hadn't noticed, there's a lot going on behind the scenes today, so fortunately, I don't have time to go through the big corporate speech that old Vinnie Mac and his pals in HR require me to give every single time a new trainee arrives. So we're going to cut to the chase. Have you met Chase? He used to dress like a giant rib. Huh? Fanny, zip it. Sorry, Mrs. Glamazon. Okay. As you may or may not know, the WWE superstars just finished up a huge European tour. Unfortunately, a big storm hit and now their plane won't make it back in time for Raw in Miami tonight. There are a few superstars who weren't on the tour that are able to make the show. But now Sasha Banks doesn't have an opponent. OMG, the boss! Fanny! Anyway, we heard from Raw GM Mandy Rose that they're scrambling to find someone to take on Sasha. So, that's where one of you comes in. I'm already packed. Let's go. That's great. But we haven't made a decision on which one of you will face Sasha tonight. And in WWE, we like to solve our problems in the ring. There's no decision. It's me. She started hyperventilating the moment Beth walked in. You think she can wrestle on live television in front of the entire WWE universe? I can do it. I'll be fine. Whoa, whoa, getting dizzy. I better sit down. Yeah, I'm out. And she hasn't been here long enough to know where the restrooms are. Third door on the right. It's second door on the left, but close. Look, we're on a tight schedule, so we need to make a call one way or another. Josie, you've been a bit banged up recently. Are you even up for this match? I can do it. Sasha Banks won't know what hit her. Okay, problem solved. Josie will go face Sasha. Not unless she gets through me first. The decision has already been made. I thought in WWE, we solve our problems in the ring. Yeah, most of the time we do. But this is different. We're on a time crunch here. Sean, she's got a point. Okay, okay, fine. You two, get in the ring. Winner goes to Raw to face Sasha Banks. And whatever you do, make it quick. Okay. Yeah! Woohoo! Allons lui casser sa tête. Hein. On peut voir qu'elle a déjà un peu de vie en moins. Bon, j'ai pas pu trop détailler mon set de coups. Alors, c'est limité au début. Je peux choisir que 2-3 trucs.
Oh, c'est joli ça. Ça prise, on enchaîne direct avec une soumission. Elle fait beaucoup moins la maligne, qui fait moins le malin. Ah, joli contrat. Je t'échappais belle, hein. En deux secondes, je pouvais plus réagir. C'était risqué là. Qui va aller à Haru affronter Sasha Banks. Ouh, je crois qu'elle va être vénère. Un peu nouveau message. Non, c'est les mêmes qui prennent l'air. What do you want? Bon match. I know I'm the one going to face Sasha Banks now, but just wanted to say, nice match. Thanks. I'll admit you're better than I thought. But you're lucky I'm not 100%. If I was, I'd be the one taking on Sasha Banks tonight. So next time we fight, I promise it won't be anything like our first encounter. I look forward to seeing you at your best. Notre amie Fanny. That was amazing! Are you so excited? I'm so excited, and I'm not even going to Raw. How springy do you think the mat will be? Same as here, or slightly different? Do you think Sasha Banks will smell good? Will you bring me back something from catering? Oh, and some hotel shampoo? Fanny, you're starting to hyperventilate again. I know. This is embarrassing. You're the one going, and I'm hyperventilating. C'est une honte. Ouais, c'est méchant. I guess I'm just hyperventilating on the inside. Right. I'm gonna go try to calm down. Good luck. And don't forget the shampoo. Alors, juste pour info, la WWE a fait passer une commande urgente pour la tenue que t'as conçue ce matin. Pour le match de ce soir, ton look sera aussi super que ta performance. J'espère. En classe. Alors, félicitations, la nouvelle, tu viens de te jeter à l'eau, mais parfois c'est le meilleur moyen de savoir. Si tu sais nager, donne tout ce que t'as. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Je me suis couché tard hier. Ah oui, non, c'était déjà les. Il faudra que je les mette en lu parce que sinon, à chaque fois, je vais me faire avoir. Alors, on a le choix entre Mandy, Ertrus. Il me semblait avoir vu Sasha Banks. Ah ouais, il est là. Qu'est-ce qu'il y a mis, Ertrus? What's up? I'm R-Truth. Welcome to Friday Night Raw. Isn't it Monday Night Raw? Oui, c'est ce que j'allais dire. Man,
I was one of the lucky ones who made it back from Europe. I'm so jet-lagged, I don't know what day it is. But Ra is always on Mondays. C'est, je pense, en référence à un jour où il avait dit « Welcome », je ne sais plus quelle ville, et il s'était complètement vautré. Only if you don't have a DVR. Anyway, someone told me you were a PC girl. That's right. Cool. I don't know nothing about computers, but I'm starting to think that fad is here to stay. It certainly looks that way. Listen, a little birdie told me you were here to face Sasha Banks. That's true. I'm hoping to give her everything I've got. Ah, c'est sympa, dans le fond, on voit le peignoir de Charlotte. Enough about that. The real question is, why are birdies telling me other people's secrets? I don't know. One of life's great mysteries, I guess. Anyway, good luck again, Sasha. I got a feeling you're going to be fine. But keep an eye out for any gossiping birds. They're bad news. Thanks. Ça, c'était pour Airtrousse. Ensuite, la General Manager, qu'on a quittée il n'y a pas si longtemps. What are you doing here? Super, l'accueil. What do you mean? I'm here to face Sasha Banks tonight. They sent you? You've been at the PC for what, 24 hours? I think it was just under 3, actually. Great. I mean, first it was the travel issues and now this. Do you think the other GMs have to deal with this crap? No, they don't. They could have at least sent someone who spent some time inside a real ring. I thought it would be Josie Jane. Alors, attends-toi à voir quelque chose de géant. J'hésite entre les deux. So did she, but I'm here now, and I plan to make the most of my opportunity. Okay, I guess we'll have to make it work. Just try not to embarrass yourself, or me, or Raw, okay? You know what? That's too much to ask. Just don't get hurt. Ah, Sasha. Who are you? Ton adversaire. Ouais, je vais la jouer comme ça, c'est quand même cool. You don't know. Okay. Well, in a couple hours, you're gonna find out. Cute. But I don't wrestle fans. Don't insult me by calling me a fan of yours. I'm from the PC. I know who's at the PC. You? Ain't one of them. I just started today. And they sent you to face me? Are you kidding? I was supposed to have a Raw Women's Championship match against Naomi tonight. And now I'm facing off against this joke? Wait. Are you dying? And this is your wish? Alors, je vais faire mes preuves ou je vais te démolir. Ouais. You're gonna wish you hadn't said that. I might be new here, but tonight you're gonna call me the boss. I'm going to enjoy this. Pas pour toi en tout cas. Eh ben, premier gros match à Raw direct, sympa. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from New York, Cindy. From the moment she saw Eddie Guerrero clash with Rey Mysterio at WrestleMania, her life changed. She knew this is what she wanted to do with her life. That match provided the spark that lit the flame for her career and was the catalyst in shaping the superstar we see today. One of the most anticipated matches we've had in quite some time. And this woman is the reason why. The boss maintenant. It's boss time.
Boston, Massachusetts, Sasha Banks. Sasha is no longer shy about stealing the spotlight. Well, Sasha's been a top star for quite some time, but the change in attitude earned her her SmackDown Women's Championship, her WrestleMania main event. Despite what I say about her attitude, the boss gets it done in the ring. You should get one of those rings that say Graves on it, like Sasha has. I'll pass. Marrant, au début, j'aurais cru qu'elle était supportée. Au final, elle est huée. We have an unprecedented situation tonight where, due to the fact almost the entire roster was stranded overseas, you're going to see some fresh faces on Raw. And one of those fresh faces is Sasha Banks' opponent, who just started at the Performance Center earlier today. It's one thing to be a rookie and take on the boss, but this is insane. I have a feeling her face isn't going to be so fresh after this is over. The boss is too slow there. Ooh, well-planted knee. Ouch. Oh, hard impact in the corner. Uppercut connects. If this works, it could change the course of the match. Comme je voulais, là. Big mistake there, Corey. Well, she knows that now. On va s'en profiter. Ah, look at this. Hair pull mat slam. Elbow smash. Being carried around with ease. Snake eyes. Oh, that backfired on her. European uppercut. Hitting the elbow drop. Quickly the cover. On va lui faire peur un peu. Pushes through after two. We'll see if this is the start of a rally. Oh yeah, she is really showing her confidence. Nice snap suplex. Not done just yet. Part two. And looking for the trifecta. Nicely done. Boom, DDT. Oh, man. Counters. First on the shoulders. A backbreaker now. Ooh, well-planted knee. Ouch. She could pin her opponent right here. A kick out, and you can see the frustration starting to build. Not yet. Really just laying it in. Going up high with the punch. Banks slips out of the way. Snap suplex. On va recommencer. Okay, alors une fois que c'est lancé, on ne peut plus les arrêter. And looking for the trifecta. Nicely done. Rear chin lock, and now just rapid fire punches. Oh my God! Look at Sasha Banks, just like Byron in his job, bankrupt. Here's a cover. She overcomes the pinfall attempt. Just kicking out at one takes a lot in a match like this. Dishing out a suplex. A surprise and reversal from Sasha Banks. Uh-oh. Jawbreaker! Call the dentist. Oh, oh, je dis. Double underhook applied. She shoots up the top rope. Dangerous thinking. High risk. Bringing them to their feet with an elbow drop. Her shoulders are down. Strong kick out there. She still has enough energy for a simple kick out.
She's taking a beating here. They've definitely taken their lumps at this point. Their opponent is not messing around. Snap suplex. Oh, quite an effective counter. And Sasha with a backstab. Ça, ça sent pas bon, ça. Ouh, les cordes, elles m'ont sauvé. Les cordes. Les cordes, elles étaient quand même plus près que pendant la soumise. Je suis pas d'accord. Honing in on the arm. Big reversal against the boss. Right, cinched in. This could be it. Oh my God, a small package driver. She looks hell bent on finishing things right now. On fait attention, oh là. Turning the tables. Reversal. Can she capitalize? Ooh, well planted knee. Ouch. Kick right to the leg. Oh, what a clothesline. Forcefully delivered. La corde à la. Ça l'a calmé un peu. One good leg there. She anticipated that one. Standing drop kick. Great ups. Banks has to be discouraged here. Banks needs to be resourceful in this situation. Her opponent has her cornered now. We're about to see how tough she really is. Boss time may be over soon if Sasha continues to suffer. Ooh, well planted knee. Ouch. Trapping their opponent's arm. Crossface submission is in, and that's out. That's it. Oh putain, elle a abandonné rapide ça. Alors. Unbelievable, she did it. She beat Sasha Banks in her WWE debut. I never thought I'd see this happen here tonight. She just started the performance center this morning. This is unheard of. And the boss wants nothing to do with it. Oh là, l'attitude. Non, on dirait que ma lutteuse a fait des coups bizarres. That would be two. Nonetheless, what a moment. Et ben une belle victoire pour commencer. Alors, on sait tous que t'as eu de la chance, mais ta chance finira par tomber. Oh là là, mauvaise perdante. Alors, Marc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je viens d'avoir un scoop sur la nana qui a battu The Boss. Elle a commencé son entraînement au Performance Center de la WWE hier. Sérieux? Oh, j'ai trouvé son profil. Rhea Ripley, j'aime bien. Une méga superstar de la WWE qui perd face à une inconnue. Ça m'arriverait jamais, là. On... Attends que je vienne t'affronter, tu vas voir. Oh, hein. J'ai bien vu The Boss se faire battre par une inconnue. Et ben alors, on a du mal à tenir les rênes, Sasha Banks. Elle est en train de se faire chambrer par tout le monde. Une victoire impressionnante pour Sandy. J'ai hâte de voir tout ce qui attend cette jeune femme dans sa future carrière. Ça va, Sasha Banks? Appelle-moi. Ce que j'appelle une entrée en scène. Je suis fier de toi maintenant. T'as juste à faire sa vie. Plus, ok. Beau boulot hier. Tu me donnes une réputation de génie. Continue comme ça. Bon, alors, regardez que j'ai bien fait mon job. Quel choix entre les deux. Bon, elle va être contente pour moi, okay, elle. Hein. Tell me everything. How did it feel? Winning? I mean, it felt great. Obviously. No, not that. I want to know about the ring, the ropes. How was the catering? Do they use real silverware or plastic?
Oh, do they have extra underwear in case you get so excited that you pee a little? I didn't ask. Did you shower after? Sorry, stupid question. I don't think I would, though. Talk about a sweat souvenir. I can't believe you beat Sasha Banks. Do you want to watch the match? I've recorded the whole thing on my phone. I've seen it about 30 times already. No thanks. I was there. I know how it turned out. Totally. I'm gonna watch it again, though, either way. Still can't believe it. See you out there, champ. Toujours aussi excité, là. Alors, je vous dis. You sure are luckier than a skinny caribou in September. Lucky? I beat Sasha Banks fair and square. Don't ever forget, the only reason you were there was because I was hurt. That should have been me. Yeah, but it wasn't you, was it? It was me. I was the one who beat Sasha Banks in front of millions. And you were still here crying about it. I am going to dedicate myself to showing the world the truth about you. That I deserve to compete with the best? I think they already know. Ça va se terminer avec elle. Belle Phoenix. Like everyone else, I was glued to my TV last night. Congratulations. A really impressive win, especially right out of the gate. Thanks. I'm glad I was able to prove myself. Let's not spend too much time in the afterglow. You still have a long road ahead of you. Time to get back to the grind. Être d'accord avec Bess, répondre à Bev de manière insolente. Bon, là, on peut choisir notre pendant. I know. I still can't believe I beat Sasha Banks on Raw. But I'm not gonna let one match, even a win that big, define my career. I'm here to be the best I can be. Good. Because after what I saw, I'm getting in the ring with you myself. Carrément. Now? My neck's still a little stiff from last night. Nothing a few glam slams can't fix. Come on, let's find out if you got lucky last night, or if you really are that good. J'ai un petit peu moins de vie. Quelle? Elle a un style assez rude, elle. Qui va abandonner. Comme ça qu'a remis mon coup en place. Thank you.
prélèvement spécial. Bon, il reste encore un peu de force, mais c'est normal. J'ai cru qu'il allait me faire une powerbomb. La fin. Parce qu'on a démontré que c'était pas le hasard nos victoires. Changement d'alignement. Nous sommes gentils. Okay, I guess now we know you really are that good. Thanks, but don't worry. I know I've got a lot left to learn. You do, but you've also got talent. And right now, the only limit I see to how far you can go is how hard you're willing to work. Guess it's time to get back to the grind. Guess so. Keep it up. Les petits messages de notre ami l'excité, je suis pas du genre à écouter au port, mais j'écoutais à celle de la salle des entraîneurs et Shawn Michael et Beth parlaient de nous donner un week-end de congé cette semaine. À quoi tu penses? Les 3M, Mexis, Margarita, c'est nous que chaque chose. Josie est déjà partante, mais toi, t'en dis quoi? N'est-ce pas tomber une señorita? Alors, je suis partante, tout sans moi, pourquoi pas? On va aller faire un petit tour au Mexique. Hein. Ça a l'air fun, on en reparle demain. Réserver l'hôtel, je savais que tu dirais oui, alors j'ai déjà réservé. Bizarre, ça ne m'étonne pas. Je nous ai aussi intégré un show de Lucha Magica. Donc on est là-bas, je croyais que c'était des vacances. Tu vas nous faire participer à un show de catch local, des vacances pour le travail, je crois. Que ça les rend déductibles d'impôts. Allez, ce sera fun. Ce sera qui nos adversaires? Je te laisse choisir. Soit tu affrontes une catcheuse locale nommée la Cangrejita Loca dans un match solo, soit tu affrontes la Cangrejita Josie et moi dans un match Fatal 4-Way, soit on fait équipe, toi et moi, contre Josie et... Je reste chez moi très fort. Match solo, ça me va bien. Je me souviens aux performances de certaines center, pardon. J'étais un peu traumatisé par un combat par équipe qui ne terminait jamais. Week-end entre filles au Mexique. Ça va nous permettre de grappiller un petit point d'XP. Pas grand chose, alors je me souviens, hein, les points d'XP au Performance Center valent que dalle. On en gagne, gagne quasiment rien et dès qu'on rentre à NXT, Raw, SmackDown, on monte vite au max des points qu'il est possible d'avoir. Ce qui est bien, mais un peu dommage qu'on ait le mode de, comment dire, le côté RPG qu'il y avait dans l'opus de 2020 était certes un peu compliqué,
Mais finalement, au moins, on y allait de temps en temps. Alors que là, c'est très simpliste. Alors, notre adversaire. Fait un peu peur en plus avec sa démarche. Heureusement qu'elle a pas choisi une couleur noire comme costume. Ça aurait fait un peu SM. Les masques sont sympas, mais faut que ce soit un peu coloré et puis pas tout d'une même thématique quoi. C'est un peu tristouné. On appréciera les foufous à la Ultimate Warrior que j'ai fièrement arboré vers la fin de ma carrière. Pas faire, hein. On reconnaît bien le style mexicain, hein. Plutôt petite. En tout cas, pour l'instant, elle me malmène beaucoup. Hein. On va laisser la main. On va lui péter l'épaule. Ou le bras. Il se bras encore. Je l'ai senti passer celui-là. Oh là, c'est pas bon. Waouh. Oh la vue qu'elle a fait. C'est son finish. Hein. Soumission. M'a aidé à battre Sacha. Efficace. Hein.
Eh ben, c'était sympa ce petit week-end entre filles au mythe. Bon, ça va. J'ai eu peur à un moment donné qu'on se fasse engueuler comme on avait eu une storyline chez les hommes où ils allaient catcher à la Fédération indépendante dans le dos de Road Dogg. Et quand on était revenu, ça s'était extrêmement mal passé pour nous. Alors, salle de muscu. R-Truth. Qu'est-ce qu'il nous raconte, R-Truth ? What's up? It's me, R-Truth. On t'avait reconnu, hein. Ça fait plaisir de te voir. Good to see you again, Truth. Today I'm like your friendly neighborhood town crier. Except in this case, I'm not sad. Hear ye, hear ye. Sasha Banks has been talking all kinds of trash about you. She called you garbage, junk, and a waste. She also said some stuff about you being terrible and unattractive and having nasty breath. Do you floss? Yes, of course. Well, looks like I've got some extra fuel next time I get in the ring with Sasha. You can't wait that long. You need to fire back, like a diss track. I'll record it that I can play it for Sasha next time I see her. Alors on fait ça, j'ai pas besoin de m'abaisser du message, je suis sûr. Let's do it. Ça va être marrant. Great. And why start with just Sasha Banks? You got to put everyone on notice. Insulté, Nikki Cross. Alors et j'étais d'accord pour Sasha, mais les autres elles m'ont rien fait. Alors Bianca Belair, Nia Jax, Nikki Cross. Nia Jax, ça pourrait être marrant parce qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Sasha calls herself a boss, but she's really just a joke. All hair dye and lip gloss, her moves are broke. Here's a bank statement. You're a nasty counterfeit. Your game stinks worse than Nia Jax's armpit. Alors c'est sûr que ça le fait beaucoup mieux quand même en anglais, mais c'est marrant. On sent quand même qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Damn, remind me to never get on your bad side. That was fire. I can't wait to play this for Sasha. Let me know what she says. No, I mean it. I can't wait. I'm posting it to social media right now. Et que la vérité qui blesse. Donc ça va dégénérer cette affaire. Alors, ouais, bah forcément, Nia Jax n'est pas contente. Non, mais sans blague, il y a une recrue du Performance Center qui est en train de faire sa grande gueule. Pas de soucis, je vais m'en charger en personne. Oups. J'ai écouté ton petit rap sur moi, Cindy. Tôt ou tard, je te ferai bouffer tes paroles. Ça va se passer. Ah, voilà, Nia Jax. On n'est pas du tout dans la même catégorie de poids. C'est un mauvais moment. Il a dit quoi, rope break? J'étais au milieu du ring. Bon, tant mieux, mais... Petit souci. Je crois que c'est passé le contrat. Du enchaînement. À ma contrée. Enfin. Il visse sa grosse tête. En tout cas, elle est impressionnante. Nia Jax. C'est vrai, j'aurais peut-être dû choisir une autre catch. Laisse-moi enchaîner. Passe un mauvais moment. Comme elle est en train de faire là. Ah,
Wow, putain. Oh, comment... Oh, le coup de la corde à linge, comment elle me l'a arrêté. Le petit paquet qui est passé, waouh. T'es surpris, je l'ai tenté, j'ai vu, c'est l'un de mes spéciales. Ça s'est pas passé comme elle a voulu, c'était vite expédié finalement, enfin bon, je m'en sors bien. Alors, est-ce qu'il a apprécié? Je trouve génial, hein. Ça t'aurait pas inspiré un nouveau couplet par ça? Non, de rien. Bon bah écoutez, on va s'arrêter pour ce premier épisode hein, de la division féminine, j'espère que ça vous aura plu, moi j'aime beaucoup, les histoires sont quand même bien différentes, j'avais un peu peur d'un espèce de copier-coller, mais non, on a vraiment deux histoires bien différentes qui va se tracer pour nos deux héros. On va s'arrêter là-dessus sur l'image des trois championnes de chacun des shows. Bon, on n'est pas encore à aller à Raw, SmackDown ou NXT, cependant on a quand même montré qu'on avait ce qu'il fallait pour aller titiller en tout cas les gens à Raw suite au prochain numéro pour de belles aventures. Big numbers, 100-minute bag, that's a big number. Big numbers, whole team count it, that's a big number. Hey, foreign cars, foreign bras, foreign seats with the foreign leather. Foreign number, put the card in the ATM in a sad era. Flex mode, this ain't Southwest, this a jet, ho. I ain't gotta shut the cell off, cause the iPhone don't got a jet mode. Bad bitches eat pesto. If you wanna come, let's go. We ain't going nowhere special. I just wanna see Modesto. Hit your throw and I'ma catch those. Mexican, dummy pesos. Hit your sus, I'll replace those. Number save, no name, though. We need more, tell them we need more. Putting numbers on the board, let them keep the score. 16 cars in my front yard. 30 on my wrist, bullet points at God. Big numbers. 100-minute bag, that's a big number. Big numbers. Whole team count it, that's a big number. Yeah, wrist man, check the wrist man, got him hot. Ayy, this man can't ball like this man. Lord nigga, pass the pig scan when he stretch a distance. I'm talking a few 100,000 yards, you just on your 5th grand. Run it up, count it up. Ayy, 100s and 50s and 20s, no 5s and no singles, don't count on them. Ayy, she want a nigga like me, cause a nigga lame, she can't count on him. She try to be nosy and hit up my ex, she like, girl, you can count on him. Ayy, we need more, tell him we need more. Putting numbers on the board, let them keep the score. Ay, 16 cars in my front yard. Ay, 30 on my wrist, bullet points at God. Big numbers. 100-minute bag, that's a big number. Big numbers. Whole team counted, that's a big number. Big numbers.